Bienvenue à tous qui nous rejoignent en ligne pour notre célébration du mardi de la première semaine de Carême. Notre ancienne d'ouverture, d'âge en âge, tu as été notre refuge, Seigneur. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu dans le monde, nous apporter l'amour du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes vœux. Tu désires de te trouver. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La réponse du psaume. Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rebâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait que de quoi vous avez besoin. » Avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remette-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons les dettes, leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile de Saint Matthieu, dans lequel Jésus enseigne à ses disciples de prier le Notre Père. Le Notre Père, c'est une prière complète, parce qu'il y a tous les éléments de la prière qu'on devrait faire chaque jour. Et comme le temps de carême, c'est un temps où on a l'emphase sur la prière, c'est bon de le regarder. On a la prière de glorifier Dieu, de louer le Seigneur, de louer notre Dieu et de lui rendre gloire. On demande aussi, après ça, notre pain de ce jour. C'est une prière de demande, mais c'est très simple. Parce que Dieu sait bien de quoi on a besoin. Même si on veut quelque chose, il y en a des temps, moi j'ai prié beaucoup, que mes jambes seront mieux, mon dos sera mieux. Dieu m'a donné ça, moi. La réponse, non, je veux que tu es comme tu es. Et il faut que je l'accepte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des choses. Mais si on les atteint pas, on ne peut pas donner, dire que Dieu nous a refusé. Parce qu'il sait bien qu'est-ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, il nous dit de remettez les dettes des autres pour que nos dettes soient remises. C'est une économie de pardon qu'il veut que nous entrons. Parce que Dieu a une miséricorde pour tout le monde. Et il veut que nous autres, nous participons dans cette miséricorde en pardonnant les autres pour être pardonnés nous autres. Un prière complet, un prière qu'on devrait prier chaque jour. Tournons maintenant vers notre Dieu, demandant de lui ce que nous avons besoin. Pour le pape François, pour notre évêque Ronald Fabreau et pour tous ceux qui ont la charge de l'Église, prions le Seigneur. Pour la paix dans le monde, prions le Seigneur. Pour le respect pour la vie dès la conception jusqu'à la mort naturelle, prions le Seigneur. Pour nos malades, pour tous ceux qui souffrent du corps ou de l'esprit, prions le Seigneur. Pour les âmes de purgatoire, prions le Seigneur. Et pour Conrad Beaupré, qui est l'intention spéciale pour cette messe, prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute les prières de ta famille et donne-nous ce que nous demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et il vaut notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, le Saint Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin que, qu'en travaillant à ce monde qui pense, ils s'attachent surtout aux choses qui ne pensent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons Saint, 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 Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, Joseph son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, débarre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ancienne de la communion. Je t'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me sors de la détresse, prends-tu de moi, écoute ma prière. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer bien, les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.